J'étais en 11e année à l'école City Edition à M'Somani. Je me présente au poste de CED pour la région Nord-Ouest. J'ai décidé de m'impliquer à ce poste-là cette année parce que c'était une manière pour moi de m'impliquer pas juste dans mon école, mais dans mon district au complet. Fait que ça me donnait la chance de rencontrer plus de monde, d'apporter mes idées à moi et aussi les idées de tous les autres jeunes de ma région. Le fait que je me suis déjà impliquée dans plusieurs comités dans mon école, ça m'a appris comment travailler en équipe, comment avoir un bon leadership, comment partager des idées et avoir une facilité à parler avec le monde et les autres jeunes. Tout de suite à l'école, je fais partie du comité Relais pour la vie. On est dans ramasser des fonds pour le Relais pour la vie en juin. Je vais être animatrice au CCLE l'année prochaine qui se passe à notre école à Edmonton. Je suis animatrice à la radio étudiante. Puis je fais partie du programme de Leader Boomerang. Dans le programme de Leader, on aide les jeunes qui se viennent en 9e année à faire la transition entre leur école primaire et leur école secondaire. On aide aussi les jeunes qui sont nouveaux à l'école au courant de l'année, qui arrivent au courant de l'année. J'ai participé à plusieurs colloques dans la FGFNB, puis aussi à des ateliers de leadership, des cas d'été aussi. Ça m'a appris à vraiment sortir de ma zone de confort, puis comment bien interagir avec le monde, comment écouter leurs idées, puis comment les transmettre et tout. Je suis une personne vraiment sociable, facile d'approche, c'est facile de venir me parler, puis je suis pas une personne gênée non plus. Je suis organisée puis active dans mes affaires. Puis ça, je pense que c'est des qualités qui sont nécessaires pour être un bon CED. En gros, je pense que les membres des conseils des élèves devraient voter pour moi parce que je trouve que mes qualités pourraient servir à mon district ainsi qu'à l'équipe de la FGFNB.